Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, je vous salue. Je vous salue donc depuis vos différents bords. Je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se déroule très bien en cette soirée de jeudi 22 février 2022. Partagez massivement cette vidéo. Invitez donc vos amis. Taguez vos amis. Envoyez cette vidéo partout où se trouvent les Africains. Partagez massivement cette vidéo partout où se trouvent les Ivoiriens. Parce que ce soir encore, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler de ce pays aujourd'hui qui est en détresse, qui a plus que jamais besoin d'assistance. C'est de ça qu'il s'agit. Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, on va donc rapidement ce soir rentrer en profondeur et encore une fois de plus, vous ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux face à cet imposteur, ce démon, qui, depuis la Côte d'Ivoire, est en train de vouloir nuire, faire disparaître totalement tout un peuple. C'est le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en danger. C'est tout un peuple aujourd'hui qui est en voie de disparition. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots quand je le dis. Le peuple de Côte d'Ivoire est en voie de disparition. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est plus bon du tout. Ce n'est pas bon. Quelqu'un hier qui a raconté des bobards. Quelqu'un hier qui a raconté des balivernes. Quelqu'un hier qui a raconté ce qu'il faut pour être là, actuellement là où il est. Mais pourquoi est-ce que mes frères, pourquoi est-ce que mes sœurs n'arrivent pas à ouvrir les yeux pour voir que Dramane Ouattara est un imposteur et que nous devons sans plus tarder, rapidement, je dis bien très très rapidement, arrêter cet homme avant que notre pays ne sombre totalement. Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, on va rapidement ce soir écouter ensemble cette vidéo par rapport à la méchanceté haut niveau. Voilà de Dramane Ouattara depuis la Côte d'Ivoire envers le peuple ivoirien. Afrique de liberté, partagez, protégez la vidéo. Écoutons ensemble cette vidéo par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et à tout à l'heure. Petit maudit de FDL là, souvenez si ma belle bataille sauter, non me redé nous. Quand on parle un peu ce petit maudit là, il vient emmerder les gens. Bataille des flèches, Rukaya. On continue. Alors, je continue, mes frères et sœurs. Bakongo, c'est un père de famille. Comment un père de famille peut se lever comme ça? Sans relâchement. C'est-à-dire qu'on ne propose pas à quelqu'un. Même si tu veux casser une maison, même si tu veux casser un lieu, il faut m'en proposer aux gens. Il faut m'en proposer, n'est-ce pas, un lieu de recasement ou de relogement. Mais on ne se lève pas comme ça. Venez casser la maison des gens, facilement comme ça. Et puis on ne parle pas de ça. On ne se lève pas comme ça. Et puis on vient mettre des femmes et des hommes dans la rue. On ne se lève pas comme ça pour mettre des enfants dans la rue. On ne se lève pas comme ça pour réduire à néant la vie et l'espoir des enfants. Ces enfants sont aujourd'hui traumatisés à vie. Les enfants aujourd'hui qui ont été, les écoles ont été cassées. Quand tu vois l'image, ça fait mal au cœur. Mais c'est Bakongo, c'est mal appris, c'est voyou, c'est délinquant, c'est bouffon. Par le bulldozer, venez casser la maison des gens. Combien de logements sociaux vous avez construit pour les Ivoiriens? Combien de logements sociaux votre régime a construit pour les Ivoiriens? Monsieur Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Où sont les toits des Ivoiriens? Où sont... Attends, on va montrer Monsieur Ouattara là. Pas merder le monde, hein. On va écouter Monsieur Ouattara ici. Écoutez-le. En 2010, Ouattara a dit que tous les Ivoiriens,
un Ivoirien et toi. Où sont les Ivoiriens? Où sont les toits des Ivoiriens? Vous n'avez absolument rien construit en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas construit les logements sociaux. Les pauvres qui sont en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, il y a des pauvres. Même en France, il y a des pauvres. Aux États-Unis, il y a des pauvres. Bakongo se lève. Un individu sans cœur. Un criminel. Un voyou. Un délinquant. Il se lève. Il parle plus de serre. Pour aller casser la maison des champs. On nom de quoi? Abidjan, c'est chez toi la maison? Abidjan, c'est ton village? Es-tu ébrié? Même les ébriés qui sont dans leur propre village ne peuvent pas faire ça à leurs propres parents. Même aux étrangers. Même les ébriés qui sont propriétaires terriens ne peuvent pas faire ça. Tiens, Abidjan plus que qui? Bakongo, tiens, Abidjan plus que qui? Abidjan, c'est la terre de tes ancêtres là-bas? Abidjan, c'est pour les ébriés. Les ébriés ont géré là-bas. Ils n'ont pas cassé la maison des champs. Toi, un arriviste, un parvenu, hein? Un parodien, tu viens pas prisonner pour casser la maison des gens? On est les quoi? Tiens, Abidjan plus que les ébriés eux-mêmes? T'aimes Abidjan plus que les autochtones d'Abidjan? T'aimes Abidjan plus que la propriété d'Abidjan? Va construire au nord chez toi. Va construire au nord. Va casser au nord chez toi. Laisse les Abidjan aux Abidjanais. Va casser chez toi au nord de la Côte d'Ivoire. On va écouter ici, monsieur Bitogo. On va écouter ici, Bitogo. Écoutez, Bitogo. C'est quoi ça? Oh. Mais c'est clair ce qu'il a fait. Il s'élève comme ça, il prend des bulldozers pour aller mettre des enfants à la rue. Des élèves qui sont nos enfants. Des élèves qui sont nos enfants, qui sont vos enfants. Faut pas les bulldozers, pas les casser à Corono. Allez-y casser à Boaké. Allez-y casser à Katola. Allez-y casser à Ogdené. Allez-y casser à Kong. Laissez Abidjan aux Abidjanais, aux Sébriers. Ok? Vous avez vos villages, non? Pourquoi vous n'allez pas casser au nord? Allez-y casser au nord? Nous, on est du nord de la Côte d'Ivoire. Nous voulons que vous venez construire le nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous laissez le nord de la Côte d'Ivoire, qui est pauvre, dans la misère, dans la poussière, pour aller casser Abidjan? Ça se vous là-bas? Une bande de parvenus comme ça, là. On va écouter Bitogo. Mais Bitogo, partagez la vidéo là. Il faut saluer Bitogo. Il faut saluer le maire de Yopougon, Bitogo. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, il faut le saluer. Parce que Bitogo, actuellement, est en voyage. Comme un lâche, Bakongo s'est levé dans la nuit pour aller casser les maisons des champs. Parce que Bitogo s'opposait à cette lâcheté là. Bakongo s'est levé nuitamment. Il a laissé que Bitogo sorte du pays pour aller en Égypte et puis il va casser les maisons. Et puis il vient la nuit. Au moment où les enfants dorment, au moment où les vieillards dorment, où nos mamans, nos mamies dorment, ce monsieur, ce patron, ce voyou, ce ventripotent, ce bouffon, au moment où les enfants dorment, il vient avec le bulldozer, il a cassé, rasé les maisons, rasé les écoles. Pourquoi on ne parle pas? Nous allons parler. Nous allons parler. Adama Bitogo dit que quoi? Il dit, il va trouver une solution de recasement, de relogement aux familles qui sont dehors. On n'a pas qu'on finisse avec ça. Bakongo vient la nuit avec des bulldozers pour venir casser la maison des gens. Asseyons-nous, mettons nos chapelles politiques de côté. Mais est-ce que cela même c'est humain? Quand j'ai vu cette photo des enfants en bleu blanc, des jeunes filles en bleu blanc, qui sont venues dans leur école, tout est rasé. Elles sont là, elles regardent. Quel traumatisme! Quel message on envoie? L'avenir de demain. Bakongo pense qu'il aime Abidjan plus que qui?
Bakongo, dites à ce bouffon. Il aime la Abidjan plus que qui. Est-ce que tu es ébrié? Le gouverneur d'Abidjan s'appelait Bekre Mambé. Il est gouverneur d'Abidjan. Il est ébrié. Il n'a pas osé faire comme tu as fait là. Toi, tu fais avec le brigadage. À Koumassi, c'était pareil. Mais de Koumassi, ou de quoi là, de Koumassi là, c'était pareil. Tu as rasé des maisons et tu as vendu ça à tes amis. Sous des prétextes que c'était des terrains inhabitables. Mais après avoir délogé ces personnes-là, tu as pris ces terrains, tu as vendu ça à tes petits copains et coquins. Si c'est pas Congo, l'homme malfrat, l'escroc, les corrompus, les fauriers, les varipiers, les tonneaux vides, le bouffon, c'est lui qui a détourné l'argent quand le Ouattara a pris le pouvoir. Ils ont remis l'argent à ce monsieur. Il était ministre de l'enseignement supérieur pour rénover, n'est-ce pas, l'université d'Abidjan. Ce monsieur a détourné l'argent. C'est un voleur. C'est lui qui est venu aujourd'hui nous dire qu'il aime trop Abidjan. Est-ce que Abidjan c'est chez toi? Les propriétés même d'Abidjan ne peuvent pas faire ça à leurs frères, même aux étrangers. Les propriétés d'Abidjan ne peuvent pas faire ça aux étrangers. Mais toi, qui es un Bangladien là, chez toi au nord de la Côte d'Ivoire, tu as construit quoi? Allez-y construire Boaké, allez-y construire Korogo, Dabakala, Seguela, Odjene, Nyakara, Katiola, Kaferé, Farke, allez-y construire au nord. Il faut laisser les Abidjanais tranquilles. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Vous faites souffrir les femmes, les enfants, les veuves, les orphelins. Vous faites pleurer les veuves et les orphelins. Vous mettez à la rue des retraités sans honte, sans compassion. Honte à toi, Bakongo. Honte à toi. Honte à toi aujourd'hui et demain. Criminel. On va écouter ici Bitogo. Bitogo a raison. On ne peut pas venir détruire des gens comme ça. Parce qu'au-delà même des maisons que vous cassez le moral des gens, vous brisez les vies. Regardez ces enfants qui sont debout, en train de regarder. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Briser la vie des gens comme ça. Toi, tu ne payes pas courant. Tu ne payes pas maison. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas carburant. Tu vis aux côtés de l'État. Gros bouffon. On va essayer d'écouter ça là. On peut venir détruire la vie des gens comme ça. Et puis moi c'était Kobakongo. C'est dans lequel chien ça là. C'est dans lequel chien ça là. Kobakongo. C'est dans lequel chien ça là. Tu amènes les mains dans la feu, dis donc. Tu as les enfants, non? Tu n'as pas des enfants? As-tu des enfants, oui ou non? Ça fait mal. Je suis un père de famille. Quand je vois comme ça, j'ai très mal. Et toi, tu vois comme ça que ces bouffons, ces varipiers, ces pieds plats. Avec ces pieds, on dirait ces sauts. C'est un pied, on dirait pied de Iloé, comment dirais-je, je me souviens de son nom même là. Hein? C'est un pied, on dirait deux balais qu'ils ont croisés là. Hérissant que tu sois. Tiens, tiens, mambo. Ça file une tête comme ça. Regardez ces enfants là. Regardez les enfants comme ça. Regardez les petites filles là. Regardez cela. Regardez ce que Bakongo a fait. Regardez nos enfants. Vous me regardez. Regardez ce que Bakongo a fait. Il vient raser toute une école. Parce que lui, tu es habitant plus c'est qui? Parce que lui, il aime Abidjan, il n'aime pas le désordre. Toi, t'es qui? Youbiou, toi, t'es qui? Non, je n'aime pas le désordre. Toi, t'es qui? La Côte d'Ivoire t'appartient? Est-ce que tu es brillé? Abidjan, c'est pour tes parents? Abidjan, c'est pour ton père? Partagez-moi la vidéo là. Il faut l'envoyer à ce gros port là. Est-ce que Abidjan là? Bakongo, je te pose la question encore. Abidjan, il te veut continuer en foyant, faveur? Abidjan là? Il va te à tout là. J'ai pas la langue en tout là. Abidjan, c'est pour toi. Tu n'as pas d'enfant. Des dix-bras. Viens lâche là. Regardez nos enfants qui sont là. Regardez les enfants là. Nos enfants sont traumatisés. Il envoie des bulldozers. Venir casser la maison des gens. Sans les ranger. C'est calamar. C'est batracien, ruminant. On vous manque du respect. Tant que vous n'avez pas respecté le peuple de Côte d'Ivoire, on va vous manquer de respect. C'est quoi ça? Tu te crois où? Bakongo? Tu te crois où? Il s'est là comme ça, il peut bidonner avec ce besoin des gens? Toi, t'es qui? Sans politique, toi, t'es qui? Sans la politique, toi, t'es qui? Tu es un vaurien? Un ensemble vide, ton nom vide, un bouffon, irresponsable, indigne. Sans politique, toi, t'es qui? Arifis Vanu Pierre. Regardez nos enfants qui sont là. Nos enfants sont là, traumatisés. Je suis énervé. Regardez nos enfants. Ne m'écrivez pas, nous. Regardez la bidosère. Nos filles sont là. Elles sont debout. Elles ne savent pas à quel sens se vouer.
elles sont perdues. Parce qu'un irresponsable, un indigne, un bougnafier, un couillon, un coquifier, un taré est venu casser la vie, est venu briser leurs souvenirs, est venu gâcher leur école. Oui, Bakongo était un indigne, un irresponsable. Tu viens traumatiser nos enfants. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu peux rien créer. Moi, Dieu. C'est quand même appuyé. C'est quand même apéro. Tu viens la nuit avec des putes de serre, casser la maison des gens. Et puis tu es tranquille dans ton gouvernorat, comme un roi télé, dans sa tour d'ivoire. Et tu nous montres ton piédestal. Il donne des ordres pour aller briser la vie des gens. Toi qui vis au crochet avec les impôts des Ivoiriens, tu t'arroges le droit de faire souffrir ces Ivoiriens et de mettre à la rue ces filles, ces jeunes filles, ces petites filles, ces enfants, ces retraités qui ont tout donné à ce pays-là. Et comme on ne vous dit pas la vérité, vous prenez pour des presses. Bitogo, Bakongo, ton maudit. Ton maudit. Bah, tu es un vrai maudit. C'est parce que c'est maudit qu'elle peut dire que je me limite à là. Je parle très loin. C'est parce que c'est maudit là qui est bon. Bah, tu es un vrai maudit. Seul un maudit peut faire ça. Seul un maudit, un irresponsable peut se comporter comme ça. C'est maudit qui est bon. Parce que moi, je ne suis pas moi déjà. Mais tu es un vrai maudit. Dangato. Tu es un vrai Dangato. Je vais saluer ici le maire de Yopougon. Bitogo. Parce que Bitogo a voyagé. Il est parti en Égypte. C'est là que le bouffon est sorti avec des bidossés pour aller casser la maison. Et il pense que nous, on va se taire. Moi, on est loin, mais on parle. Parce que ce peuple-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a tourné dans nous qui sommes ici au lieu. Donc, on ne peut pas accepter qu'on fasse la politique. Tiens, ma bidon a compris. Mais va causer chez toi. Tu es un village, non? Vous n'avez pas de village, vous n'avez pas de village. Vous passez votre temps à casser une maison de gens à Abidjan. Abidjan, là, il faut laisser ça. Allez-y construire Odjene. Allez-y construire Séguéla. Allez-y faire Korogo. Allez-y construire Boaké. Laissez Abidjan comme ça. Laissez Abidjan comme ça. Ou bien Korogo n'existe pas. Vous êtes diaboli si village des gens, là, c'est quoi? Vous êtes diaboli si la ville des gens, c'est quoi? Vous êtes cité si la ville des gens, c'est quoi? Mais allez-y dans Boaké, petit paradis. C'est Boaké qui était votre fief, non? Vous avez pris le nord, n'est-ce pas, en 2002, non? Votre enquête en rébellion, il a pris le nord de la Côte d'Ivoire. Il dit que le nord, c'est son fief. Mais c'est le nord là qui t'a mis au pouvoir, non? Mais vas-y, arrasez le nord maintenant. Mais tu fuis, toi, de cacher à Sili Mafia. Toi, et ta ce là. Vous emmerdez le nord de la Côte d'Ivoire là-bas? Allez-y, construire Korogo, comme Odjene. Allez-y, construire Odjene. Abidjan, c'est pour les ébriers. Et puis d'ailleurs, vous appelez abusivement. Ou faut-il, non? Mais allez-y construire, ou y'a ce cran? Ou bien c'est comment? On va continuer un peu. On va écouter ici Michel Babo. Il y a une deuxième logique libérale qui dit que les pauvres doivent quitter la ville pour aller à la périphérie. Donc quand on a fini sur les terres, maintenant prenez Yopougon. Qu'est-ce qui se passe sur Yopougon? Nous sommes la seule commune où les constructions telles que citées, comme à Bobo-Doumé, la Gloire, ce genre de choses-là. Nous sommes la seule commune où il n'y a pas de poste. Mais pour construire ça, il faut des terres. Mais les terres sont où? C'est dans les quartiers précaires. Voilà l'enjeu. Si tout, il y a tout ce coup sur le coup, là, c'est ça. Comment enlever ces pauvres, les dégâts, et donner ça à des grandes sociétés? Comment donner ces multinationales de ces pays-là, ces terres-là, pour qu'ils puissent construire des nouvelles cités? Mais il ne s'agit pas de reloger les gens. Ils sont pauvres. Il s'agit de les évacuer. C'est tout. Après, ils n'ont qu'à aller en périphérie. Voilà. Donc, si vous voulez aller vivre en périphérie, fermez les yeux, vivez votre vie, dormez. Un matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez changer de ville. Vous n'êtes pas au courant. Quand on se bat là, il y a quelque chose en bas. Et voilà ce qui est en bas. Pour ça, là. Nous, quand on dit les gens, dit dans le pays là, c'est comme ça en vie. Comme des moutons, comme des cabris. Voilà notre toit qui est là. Notre foyer, même si ça leur plaît. Et puis, ils vont aller dormir à l'aise dans la maison et les parents. Vous
Voyez-vous? On continue là, pardon. Regardez les images. Regardez les images. Voici le travail de Bakongo. Voici le travail de Bakongo. Il a cassé même les écoles, regardez. Regardez le travail de cet inhumain. Regardez son boulot. Regardez ici. Voici le travail d'un père de famille. Regardez. Bakongo là, il n'est pas venu comme ça. C'est Alassane qui l'a envoyé. Bakongo peut se pas pour les casser les gens comme ça. C'est Alassane. Si vous voyez que nous on attaque Alassane, c'est à cause de ça. Parce que Alassane se cache derrière les gens. Parce qu'il n'est pas responsable. Alassane n'a jamais été le seul de quelque chose. Il se cache derrière les gens pour agir. C'est Alassane qui a envoyé Bakongo. Qui a donné Bakongo? Sinon que. Begré Mabé était là. Est-ce qu'il a cassé? Non. Mais c'est Alassane qui a mis Bakongo. Et puis il lui donne l'ordre. Et puis on dit que le président n'a pas encore de quelque chose. Il est au courant. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est Alassane le responsable. N'accusez personne. C'est Alassane. Mais nous saluons Bitogo. Au moins avec Michel Babo. Merci à vous. Il faut soutenir nos frères. Il faut les soutenir. La mairie de Yopougon soutenir nos frères. Mais c'est quand même inhumain. Si vous avez des problèmes avec Bitogo, puisque c'est ça, vous voulez les casser. Et donc, on a compris votre jeu. Vous voulez casser Bitogo, donc vous demandez. C'est ça, on a déjà compris votre jeu déjà. Alassane vient passer par Bakongo pour casser Bitogo. On sait de quoi on parle. Alassane n'agit jamais seul. Il agit. Il se fait comme s'il est innocent. Il ne connaît rien. Non, c'est le Prado. C'est le père ne connaît rien. Le père, pardon. C'est lui, Alassane, le responsable. C'est lui. Mais il se cache lâchement. C'est lui. On va l'écouter ici. Pas merder les gens, hein. On va écouter Alassane ici. Je n'accepterai pas que les enfants puissent souffrir et qu'ils partent à l'école. Mais cette image-là, elle vient d'où? Cette image, elle est d'où? Elle est de monsieur Alassane Ouattara. C'est lui le responsable. C'est lui qui est responsable de ça. C'est lui qui est là. Voici le travail d'Alassane Ouattara. C'est lui et Bakongo. Voici le travail. Voici nos petites filles. Elles sont là. Elles ne savent pas quoi faire. Voilà ça. La veille de la Côte d'Ivoire de demain. Mais qu'est-ce que Alassane a promis aux Ivoiriens? Alassane a promis aux Ivoiriens, un Ivoirien et toi. 25 000 par mois pendant 25 ans. C'est où? Où sont les logements sociaux, monsieur Alassane Ouattara? Oui, monsieur le chef de l'État. Vous avez promis aux Ivoiriens, où sont les logements sociaux, monsieur Alassane Dramane Ouattara? Cher monsieur, vous n'avez rien construit. Vous n'avez pas le droit de casser, de détruire, de briser la vie des gens, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes une charge, c'est une charge pour les Ivoiriens. Vous êtes une charge, c'est une charge pour les Ivoiriens. Que l'on doit décharger très rapidement. C'est trop. Ok? On va essayer d'écouter. Lui-même, qui promet aux Ivoiriens, où sont les logements sociaux de M. Alassane Dramane Ouattara? Où sont vos logements sociaux, monsieur? Il n'a rien construit, il casse maison des gens, il part des ponts et des routes. On va essayer d'écouter lui-même. Écoutez-le. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui en guessant Stanislas.
titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. J'ai juste une qualité comptable d'un institut de la place. J'ai fait des stages par-ci par-là. Et c'est effectivement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, voilà, aujourd'hui, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, moi, j'ai passé une maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que déjà, n'est-ce pas, 150 000. 10 mois d'avance, ça fait 100 000. Ça fait 250 000. Plus un mois d'agence, ça fait 200 000. On m'a dit que nous travaillons. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auxquels il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble dans la paix que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans. Ok. Ok. Ça a maintenant 15 ans. Et M. Ouattara dit, un Ivoirien, un toit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Vous l'avez bien entendu. Alassane Ouattara dit, 25 000 par mois pendant 25 ans. Pour les Ivoiriens, les logements sociaux. Nous sommes où? Quel est le bilan? On va lui montrer les bilans. Les bilans, il ne suffit pas de faire des ponts et des routes qui étaient en projet. Et que, n'est-ce pas, on n'a pas pu le faire. Mais tu as voulu être candidat obligatoirement. Et tu as empêché les autres de le faire. Voici le bilan qui est là. Voici le bilan. Alors, chers amis, Afrique de liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, c'était l'intervention donc, de votre serviteur, l'amiral Obafè. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de jeudi 22 février 2024. Partagez massivement cette vidéo. Invitez vos amis, taguez vos amis. N'oubliez pas en tout cas de pomper le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est la première fois comme ça que vous êtes ici sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance, il faut tout simplement vous abonner et ensuite activer la cloche de notification pour ne rien du tout manquer. Voilà, on est ensemble et on sera toujours ensemble comme ça pour d'autres durées. Supportez-vous bien et que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur le compte Côte d'Ivoire 2020 TikTok. Il y a un lien qui est dans cette vidéo. Voilà, dans la description. Cliquez automatiquement, vous êtes redirigé sur le compte Côte d'Ivoire 2020 TikTok.
Voilà, abonnez-vous et taguez un ami rapidement. On va aussi commencer le direct parce que nous sommes déjà à 1000 abonnés et bientôt nous allons débuter le direct. Donc, si vous voulez participer, c'est le moment donc d'aller vous abonner massivement et d'attendre parce que bientôt nous allons parler très fort sur TikTok. Donc, Afrique de liberté, portez-vous bien encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. Bonsoir chez vous.